C'est mon candidat préféré d'Occupation Double. C'est ça. Les gens d'OD m'ont invité au dévoilement des candidats. Je pense qu'ils vont m'annoncer que je vais faire OD cette année. Je pense que c'est ça qui arrive là. Et barman, ce que les gens remarquent plus chez moi, c'est mon grand sourire. Je suis tout le temps très sourire. Pour mon grand Kiki, en fait, 6 pieds 6, bravo. Danser. Épique. Est-ce que tu t'ennuies de ça? Épique. Merci beaucoup. Ok, là j'ai pour objectif d'aller confronter Julie. Là. Moi je suis tanné de me faire fucking pas inviter à OD. Là. Puis comme je veux pas comme commencer à talk shit sur OD parce que c'est eux qui m'ont dit de venir ici. Mais comme honnêtement, là, tu me fais venir jusqu'ici puis tu me fais pas faire OD. Pourquoi je suis pas dans l'occupation double? C'est quoi le beef de fuck? Faut faire face au fait, je vais pas faire l'occupation double ça. Je sais. Les rumeurs disent que tu fais OD cette année. Non, j'ai le. Non, arrête de talk shit. Arrête de talk shit. Non, mais j'aurais aimé ça pour vrai. Ça me fait un petit pincement au cœur. T'as-tu fait les auditions? Je les ai pas fait. Pourquoi t'as pas fait les auditions? Je les ai pas fait. J'avais envie de reprendre ma vie, de savoir c'est quoi pas aller à l'occupation de ça après 2 ans. C'est un prix universitaire, tu sais. Ben, quasiment, ouais, quasiment. Là, j'ai aucune idée de ce que je vais faire pendant la prochaine année. Je vais Je viens d'enregistrer une entrevue avec Jim Stone, puis ça n'enregistrait pas. On m'annonce que je fais OD aujourd'hui, tu comprends? C'est comme c'est ma grande journée, je vais apprendre, je suis enfin candidat. Bon, je suis pas candidat. Je filme une entrevue avec Jim Stone, puis ma caméra n'enregistre pas, puis j'étais drôle. Vas-y, il y a deux filles qui viennent de Laval. Montréal, Laval, c'est rendu. Laval, Montréal. Bon, moi, je suis fier de toi, mais c'est toi qui as gagné OD, tu sais pourquoi? Vous êtes encore en couple, toi puis Juliane? On se force même pas. Je me juge encore parce que je viens de Laval. 3 ans, on va habiter à Laval. C'est ça le plan. J'ai dit, pour maintenant, c'est correct. On reste à Montréal. Quand on va avoir une famille, des enfants, ça va être à Laval. Je dirais qu'à Laval. C'est right. Fun. Merci pour cette entrevue. Laval. Oh, let's go. C'est quand qu'on me donne mon billet pour la Afrique du Sud? Ben écoute, c'est une bonne question. C'est pas moi qui choisis! Mais tu pourrais aller, parce que j'ai vu ta vidéo d'audition, qui était tellement bonne. Avec tous tes abonnés YouTube, tu vas être super riche, tu payes un billet d'avion de même. Moi, je sais que la ville de Laval devrait envoyer son maire YouTubeur. On va faire un GoFundMe. On fait un GoFundMe pour toi, pour que tu regardes un peu. Ça a été moi qui se fais refuser à Occupation Double. Qu'est-ce que je te dis? J'ai fait de mon possible. Ça a parti d'un mime, devenu un rêve, devenu un espoir, puis maintenant c'est un échec. Fait qu'est-ce que je te dis? Like, subscribe, fais les does, fais les bye, reste à l'école. C'est un vieux vlog, mais qu'est-ce que je te dis? Je suis David Dobrik out this bitch, ok? Dog one.